Bonjour Héloïse d'Armesson. Bonjour. Alors vous êtes éditeur. J'aimerais que vous nous parliez de cette belle maison qui porte votre nom et de son fonctionnement, de votre façon de choisir vos manuscrits, de sélectionner vos auteurs. Voilà, tout ça. Écoutez, c'est une maison qu'on a cofondée avec mon conjoint qui s'appelle Gilles Cohen-Solal il y a 5 ans. La maison, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a toutes ses dents, mais enfin, elle commence à avoir une certaine. Les fondations sont consolidées. On publie une grosse vingtaine de titres par an et nous n'avons pas augmenté notre production depuis 5 ans. La production est restée stable autour de cette vingtaine de titres. C'est un choix de votre part ? Oui, c'est un choix. J'ai travaillé dans quelques maisons d'édition. Presque 20 ans d'expérience quand on a fondé cette maison d'édition, et j'ai constaté que quand on surproduit, ce qui peut arriver, un livre chasse l'autre, et il n'y a rien de plus triste que de voir un livre pour lequel on n'a pas qu'on n'a pas totalement accompagné, mais qu'on est obligé d'abandonner un peu sur le bord de la route parce que y a trop d'actualités sur les livres suivants. Et je tenais à ce que notre production reste quand même serrée pour pouvoir justement revenir, même sur un titre, 6 mois après, s'il y avait une actualité, un anniversaire, une manifestation, et donc pouvoir continuer à s'occuper de ces auteurs, même s'ils n'étaient pas les dernières nouveautés parues. Alors comment les choisissez-vous justement, ces manuscrits, ces auteurs ? Écoutez, bon, ça c'est vraiment très très simple, c'est une question vraiment de goût, on fonctionne, je dirais, au coup de cœur. Bon, il est vrai que ces matinées, d'une certaine... Je pondère mes coups de cœur, enfin... Je ne pondère pas mes coups de cœur. Ce sont des coups de cœur. Et par ailleurs, c'est aussi le fruit de l'expérience. Maintenant, avec plus de 20 ans de métier, il m'arrive aussi de me tromper, bien sûr, mais j'ai quand même une vision du public et du marché et des lecteurs, et je me dis que ça va les séduire, que ça va leur plaire, ou que ça va les surprendre, ou qu'effectivement ce livre trouvera lecteur. Donc ça, c'est évidemment aussi quelque chose qui peut me motiver dans le choix d'un manuscrit. Il peut nous arriver, d'autant que comme on en publie 20, il m'arrive de temps en temps de tomber sur des manuscrits que je trouve excellents, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on publie, et on est obligé de rester, d'être assez ferme et de suivre bien cette ligne, parce qu'autrement on en publierait 40 par an, parce que... Il y a toujours un beau livre, un livre de photos, ou des mémoires, ou des textes qui ne correspondent pas à ceux que nous publions et qui sont quand même passionnants et réussis. Donc, Alors nous allons parler plus précisément d'un livre et d'un auteur. Nous allons parler de Tatiana de Ronet et de son livre « Elle s'appelait Sarah » que vous avez choisi de publier aux éditions Louise d'Hermesson. Tatiana nous a raconté que son manuscrit avait été rejeté par pas mal de maisons d'édition avant que vous décidiez, vous, de publier ce très beau livre. Donc j'aimerais un petit peu connaître vos raisons. Pourquoi vous avez dit oui alors que les autres avaient dit non, tout ça. Pourquoi j'ai dit oui ? Ça, c'est très facile. Ça, c'est très facile d'y répondre. Pourquoi est-ce que les autres ont dit non ? C'est un peu moins facile. Même si je commence 5 ans après à avoir quelques explications. Bon, alors, pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Alors, vraiment, parce que je reprends ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ça a été un vrai coup de cœur, que j'ai lu ce manuscrit, que je l'ai trouvé bouleversant, j'ai trouvé cette histoire. Extraordinaire, et j'ai été convaincue que le livre marcherait. Maintenant, dans les proportions dans lesquelles il marche aujourd'hui, non, bien sûr. Mais je me suis dit, le public français ne sera pas insensible à ce livre, parce que ce livre est très réussi, émouvant, et que je pense que... Moi, j'ai pleuré en le lisant une première fois en anglais, en relisant la traduction et en corrigeant les premières épreuves. Donc, ce qui m'arrive quand même, je n'ai pas la larme facile. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, ça ne faisait
pour moi, pas l'ombre d'un doute, il fallait publier ce livre, et j'étais assez convaincue, encore une fois, qu'il toucherait un certain nombre de lecteurs. Pas dans les proportions du succès qui est aujourd'hui confirmé. Maintenant, quant à la réponse de pourquoi, enfin, à la question de pourquoi mes confrères sont passés à côté, en fait, je pense aujourd'hui que mes confrères avaient confié ce livre à des lecteurs extérieurs. Ils ne l'avaient pas lu eux-mêmes. Je crois qu'il y a certains livres, quand on lit un rapport de lecture, on ne peut pas... c'est un livre dont on se disait bon, c'est de nouveau un livre sur la Deuxième Guerre mondiale, le martyr des Juifs en France, ça c'était plus original, mais enfin une histoire de déportation, une histoire de Shoah. Qu'est-ce que ce livre va apporter de plus? Tatiana Drôné n'est pas juive, enfin toutes sortes d'a priori que je peut tout à fait comprendre, mais qui évidemment tombe quand on lit le roman, parce que on se rend compte qu'effectivement c'est un manuscrit très original, que en effet il revient sur une période de l'histoire qui a déjà été visitée par beaucoup de romanciers et d'historiens, mais que Tatiana, dont elle s'appelait Sarah, le revisite de manière totalement inédite. Et bouleversante, et que je pense, d'ailleurs, je ne sais pas que je pense, maintenant je sais, énormément de lecteurs l'ont remercié parce qu'ils ne se doutaient pas de ce qui s'était passé, parce que finalement la rafle du Veldiv, ce n'est pas un événement qui est si connu, non. Et surtout après le Veldiv. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui connaissaient et qui avaient entendu parler de la RAF, mais qui ne connaissaient pas Bonheur en Hollande, qui ne connaissaient pas Pithiviers, qui ne savaient pas qu'il y avait eu des camps de transit, et qui ne connaissaient pas les destinées, qui ne savaient pas que ces 4000 enfants, pas un seul n'en viendrait vivant. Je pense que vraiment Tatiana a fait, avec ce livre qui est d'une part un excellent roman, un travail quasi pédagogique par ailleurs. Et bon, ce qui fait aussi la réussite du livre, c'est qu'il y a ce personnage de femme aujourd'hui, de cette américaine Julia, et ça c'est aussi l'originalité du livre, c'est-à-dire que pour une part on peut se douter de la manière dont va évoluer la vie de Sarah et de sa famille. Le tragique ne fait pas beaucoup de doutes, mais en revanche, on n'a aucune idée de quelle va être la vie de Julia et pourquoi est-ce que cette femme de nos jours à Paris, cette américaine, pourquoi est-ce qu'elle va se retrouver, pourquoi est-ce que sa vie va être complètement bouleversée par la découverte de la destinée de cette petite fille qui s'appelait Sarah 60 ans avant. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir choisi de publier ce livre, parce que nous, on l'a adoré, et un grand, grand merci à vous pour cet entretien. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.